Chef, arrête, monter. Hein. Ah. Bon, d'accord. Laisse, vas-y, je monte un peu, mon frère. État ministre de l'Agriculture et du Développement rural, promotion de la riziculture, Madame le Secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs, respectifs pour protocole observé. Le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, former un nouveau gouvernement. Comme de tradition, il est organisé des cérémonies. La présente obéit. Il s'agit de la passation de charge entre le ministre d'État, ministre de M. Provenant Fassi Adjoumani, et le ministre de la Promotion de l'Agriculture, M. Kouré, sous la supervision de Mme le Secrétaire général du gouvernement. Avant de présenter le déroulé de la cérémonie, permettez-moi de donner un aperçu des personnalités et structures invitées. Outre la délégation du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, et celle du ministre de la Promotion de la Riziculture, nous avons le représentant. Le président de l'ADERI, le directeur général, le président de l'OIARI, les représentants des. Je vais citer pêle-mêle, Siri, Nawa, Sunrise Industry, Gojibois, Socomsi, AMCFC, Viceland, Grandlogis. Bien entendu, nous avons donc le Africa Rice, le Senra, de la Nader, de la JICA, le CP Codivo, Orange, FAO, Calivoire, Bayer, Cégeta. À présent, je vais donner lecture du déroulé de la cérémonie. Premièrement, nous aurons le mot d'ouverture de Madame le Secrétaire général. Ensuite, le mot du ministre de la Promotion, M. Gaussoutour. Il y aura donc la remise des cahiers de charge. Et bien entendu, il y aura le mot du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Provenant Fassi Adjoumani. Ensuite, nous aurons le mot de clôture de Madame le Secrétaire général du gouvernement. Et s'en suivra la signature du procès verbal de passation de charge. De l'Agriculture, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le ministre de la Promotion de la Riziculture et Madame le Secrétaire du gouvernement. Ensuite, il y aura la remise au ministre Gaussoutouré par le personnel de la Promotion de la Riziculture. Il y aura donc
et n'importe quel marquera la fin de cette série. Madame le secrétaire général du gouvernement, à prendre la parole pour son mot d'ouverture. Vous avez la parole. Mesdames et messieurs les membres du cabinet des ministres respectifs, mesdames et messieurs les directeurs généraux centraux et responsables de services des ministères du ministère de la promotion de l'agriculture, mesdames et messieurs les agences d'exécution des deux ministères et les partenaires, mesdames et messieurs, on vous rend grâce, chers amis de la presse. Ce matin, monsieur le directeur de cabinet, à la passation de charges entre monsieur le ministre d'État de l'agriculture et du développement rural, le ministre communal Kwasi Adjumani, et son aîné, le ministre Daoussou Touré, ministre de la Réserve. Ce, suite à la prise du public, 81 du 6 avril, la des membres du gouvernement. L'Assemblée, cette qui est en réalité une transmission de dossiers de la promotion de la riziculture au ministre d'État qui reprend le ministère de l'Agriculture. Comme terminé, nous allons donc laisser la parole ministre de la promotion de la riziculture sortant pour dire son mot et présenter les dossiers qu'il va transmettre à son cabinet, le ministre d'État, le ministre Kobinon Kwasi Adjumani. Monsieur le ministre, avec l'espoir, nous vous invitons à venir un mot à l'endroit de vos collaborateurs et de votre bureau de la promotion de la riziculture. Je vous remercie. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Madame la secrétaire générale du gouvernement, Mesdames et Messieurs,
de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Mesdames et Messieurs le ministère de la Promotion de l'Agriculture, le président du Conseil de surveillance de Monsieur le directeur général de l'ADERI, Monsieur le président de l'OIARI, Mesdames et Messieurs les financiers, Monsieur le leader de Pôle, Mesdames et Messieurs les directeurs et chers amis, Mesdames et Messieurs, avant tout propos, permettez-moi, Monsieur le ministre d'État et du Développement, d'adresser à vous-même et aux éminentes personnalités, ma joie de vous recevoir ce matin ici, de la riziculture. Je vous adresse mes vifs et sincères remerciements pour votre présence à cette sympathique cérémonie de passation des charges. Malgré votre programme, je profite de cette occasion pour adresser mes remerciements les plus sincères à M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour la confiance placée en moi, en me confiant sur le secteur de la promotion après m'avoir confié le ministre. Ceci dit, souffrez, Monsieur le ministre d'État, au point des activités menées dans la riziculture. Dès la création du ministère de l'État, le ministre, le staff et le sur la création de toutes pièces pratiques et effectives et de l'élaboration de la stratégie nationale de l'agriculture SNDR 2020-2030 par le Conseil des ministres en sa séance du 11 mars 2020. La stratégie de développement de la riziculture corrige les faiblesses de la précédente SNDR 2012-2015. Objectif d'assurer à la Côte d'Ivoire l'autosuffisance en riz de bonne qualité avant 2025 et de faire de notre pays un des plus grands pays africains exportateurs de riz à l'horizon 2030. À l'élaboration en œuvre des projets risicoles intégrés prenant en compte l'irrigation parcelle, la production des semences performantes certifiées, la mécanisation, la en semences, engrais, herbicides, insecticides, conseils agricoles et le financement des fonds de développement. Créer la transparence au niveau de toute la chaîne de valeur riche grâce au développement d'une plateforme technologique intégrée utilisant les outils de dernière génération de technologies de l'information et de la communication et adopter les politiques efficaces de promotion du riz du bois, de régulation du faire du riz entier un professionnel gestionnaire créateur d'emplois et de richesses, faire du secteur privé le moteur du développement de la riziculture. Basculer progressivement d'une non rentable et non finançable, moderne, durable et respectueuse, assainir la gouvernance de la chaîne de valeur. L'année 2021 permettra d'amorcer la mise en œuvre de cette stratégie. C'est dans ce cadre que les maintiens ont été lancés
depuis juin 2020. Les besoins en semences certifiées à haut rendement sont grâce au stock et grâce également à la multiplication de 300 tonnes de semences de base G4 sous la supervision et exécutée par Africa Reis, le CNA, les leaders de poules et les multiplicateurs de semences. Les besoins en engrais, estimés à plus de 40 milliards de francs, sont satisfaits à 100% grâce aux accords signés à Yara, Agro-West Africa et Calivoa et relatifs à la fourniture 180 jours date de livraison après réalisation des études de sol et le suivi des résultats. La consommation en herbicides et en herbicides à plus de 15 milliards seront couvertes également à 100% grâce au avec Syngenta, Calivoa et Bayer. Mécanisation. Le ministère dispose aujourd'hui de l'accord de principe d'un des plus gros fabricants de matériel agricole et à gérer les centres de mécanisation à installer dans chaque pôle de développement rizicole à partir de conventions BOT à négocier et à signer avec chaque leader de pôle. Les besoins sont estimés à plus de 250 milliards de francs CFA. En ce qui concerne l'irrigation, c'est important dossier pour la réalisation de cet important dossier. Le ministère dispose également de l'accord des meilleures sociétés au niveau mondial actives dans, pour installer dans chaque pôle l'irrigation nécessaire à l'irrigation des parcelles par convention à négocier et à signer également avec chaque leader de pôle. Pour le financement des usines complémentaires, l'un des plus grands fonds d'investissement SUS actif dans le financement de l'agro-industrie vient de confirmer son accord pour le financement d'usines installées dans les pôles de développement agricole sur base de financement LISBAC et également disposé d'une part à financer le fonds de gouvernement et ensuite d'assurer tous les besoins essentiels pour acheter l'ensemble des catégories produits et livrés aux différentes usines. D'autre part, à mettre son réseau relationnel mondial à la disposition du envie d'élever des financements pour moyen et long terme. Plusieurs importantes structures ont pris des engagements fermes et concrets de la mise en œuvre de la stratégie de développement 2020-2030 et la société israélienne qui s'engage à financer à 100% le projet intégré et formé Agri 2000 de sur 7000 hectares propriété de Agri 2000 du fleuve à Cédéla. Le programme du ministère pour réaliser 1000 hectares à Combe au profit de 200 agriculteurs. La société Orange place la plateforme informatique qui créera la transparence et l'assainissement de la gouvernance de la chaîne de valeur. La Banque d'investissement et de développement de la CDAO, BIDC, assure le ministère au financement des projets rizicoles intégrés portés par les leaders de poule qui doivent appuyer les demandes de financement avec des business plans signés par l'un des
cinq plus grands cabinets nationaux. Le FIDA, sur demande du MPR, travaille activement sur des fonds à l'État à placer à la BNI pour la couverture des besoins financiers des leaders à moins de les déficits potentiels jaunes. D'achèvement. Et le pays a été divisé en 20 pôles de développement précis. Et aujourd'hui, 10 pôles sont fonctionnels sur les 20 et plusieurs opérateurs s'activent pour se mettre à jour en vue d'occuper les pôles restants à côté. Terminant ce discours, sans assurer le service de l'agriculture de ma totale disponibilité pour l'accompagner afin qu'il puisse réaliser dans des conditions idéales la mission à lui confier par son excellent mandat. Indiquer que l'administration étant une continuité et fort de l'expérience, de la compétence, de la qualité et des relations depuis de longues dates avec le monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, je n'ai aucun doute de la stratégie de développement de la riziculture qui assurera à la Côte d'Ivoire l'autosuffisance en riz avant 2025 et fera de notre pays un des grands à l'horizon 2020. Enfin, l'ensemble des partenaires sur l'entente parfaite avec mon frère, le ministre d'État, et sur la ferme volonté également, et il faut tout mettre en œuvre pour la poursuite de cet important. Donc, mesdames et messieurs, l'adresse de monsieur le ministre de Touré à ses collaborateurs. Nous allons procéder à la remise symbolique du ministère de Touré à monsieur le ministre d'État, parce qu'il est du Mali. Donc, monsieur le ministre. Ok. Non, mais restez, madame. Il n'y a pas de. Monsieur le ministre d'État, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous donne tous les dossiers que nous avons, toutes les conventions que nous avons signées et tous les projets que je viens d'évoquer. Et mais avant, permettez-moi de saluer l'ensemble de l'équipe qui m'a accompagné pour ce travail que nous avons effectué ensemble. Nous avons travaillé nuit et jour ici, et compte tenu des délais et des exécutions, l'ensemble de mes collaborateurs et moi-même à disposition, prêts pour tout mettre en œuvre pour que la Côte d'Ivoire soit prête. Parce que c'est un secteur qui nous tient à cœur et pour lequel nous sommes passionnés et où nous voulons que la Côte d'Ivoire puisse réaliser cet objectif. Je n'ai aucun doute que nous allons réussir.
Adrien. Adrien. Que sont les agents immédiatement de nouveaux agents du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Monsieur le ministre d'État, vous avez la parole. Merci. Monsieur le ministre Gansoukouré, cher aîné, mesdames et messieurs, directeurs du cabinet, j'ai aussi des députés ici, monsieur le député, mesdames et messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux et généraux, aussi le président du conseil d'administration. Mesdames et messieurs les opérateurs économiques du Monsieur le ministre, au moment où nous nous soumettons au protocole de passation des charges. Remercier son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour m'avoir élevé au rang de ministre d'État de l'Agriculture et du Développement rural. Je voudrais ensuite, à la suite de son Excellence Ouattara, président de la République, qui l'a déjà fait solennellement lors du premier conseil du nouveau gouvernement, adresser mes sincères et fraternels Monsieur le ministre, abattu en quelques mots à l'occasion de son discours, il a égrené un long chapelet de toutes les initiatives qui ont été prises et des réalisations qui ont été. Permettez-moi aussi, Monsieur le ministre, d'étendre ces remerciements aux orateurs qui, pour la plupart, après avoir connu un de la SNBA 2020, ont apporté une contribution significative à la conception et au démarrage 2020-2030. En effet, la stratégie nationale de développement de la résilience 2020, adoptée par le gouvernement en février 2012, avait pour objectif de couvrir l'ensemble des besoins de la consommation nationale en qualité par la production nationale, comme vous l'avez signalé. Malheureusement, pour des raisons d'insuffisance de financement et de l'inadéquation du statut institutionnel de l'organe chargé de sa mise en œuvre, cette stratégie que 65% des besoins de consommation en passant en 2012,
à 1 400 000 tonnes de riz blanchi en 2019. Je crois que le ministre m'a dit des choses et que nous allons voir avec l'ensemble de qui travaillent au sein du ministère en charge de la promotion de la riziculture. Monsieur le ministre, c'est ainsi que dès votre nomination, vous avez fait adopter en Conseil des ministres l'année dernière une communication relative à 2030, dont la mise en œuvre démarre cette année. Au terme de la stratégie a pour objectif général de lancer la afin d'assurer une riz avant 2025 et de faire de la Côte d'Ivoire exportateur africain de riz à l'horizon 2030, conformément à la volonté affichée de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À cet effet, les positifs et les faiblesses de la SNDR 2012-2020, la nouvelle SNDR, une dizaine d'activités avec autant de défis à relever. C'est donc un ambitieux programme nécessitant d'importants financements et de professionnels multisectoriels. Ainsi, Monsieur le ministre, le principal facteur limitant étant la disponibilité des financements pour la mise en œuvre de la nouvelle SNDR, vous avez à juste titre négocié et obtenu l'implication et acteurs privés en vue de compléter les appuis financiers de l'État. Cette approche ambitionne également de faire du riziculteur un opérateur économique, un gestionnaire d'une affaire rentable et durable. En outre, un moyen de création d'emplois et de richesse en transformant des zones pauvres de richesse par l'exploitation rationnelle des immenses potentialités risicoles existantes. Que la réussite de cette nouvelle SNDR fera ainsi de la Côte d'Ivoire, comme vous le souhaitez, un pays exportateur net de riz à partir de 2030. Et pourquoi, Monsieur le ministre et cher René, tout en vous rendant hommage pour toutes ces initiatives, je voudrais vous rassurer que la forme que vous avez prise sera de mise dans le cadre. Sachez que vous partez certes physiquement, je dirais même que vous ne partez pas physiquement, mais vous resterez toujours présent parmi nous à travers votre grande œuvre et les conseils avisés que vous voudrez bien nous prodiguer de nos sollicitations de votre auguste personnalité. Déjà tout à l'heure, il était en train de me former, de me donner des indications. Merci, professeur. Quant à l'ensemble de vos collaborateurs, tout en les félicitant pour leur contribution, je voudrais pouvoir compter sur la disponibilité, l'abnégation et la loyauté de chacun dans son domaine de compétences, afin que nous puissions et réussir cette exaltante mission pour une Côte d'Ivoire prospère
et pleinement émerger à l'horizon 2030 par la riziculture et à travers elle, par l'ensemble du secteur agricole. Je souhaite, monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, et telle que mise en œuvre par le gouvernement, par M. Patrick Hachi, chef du gouvernement. Je voudrais surtout qui sont nos partenaires privés qui opèrent dans le secteur rizicole que tous les contrats qui ont été signés seront sauvegardés, que toutes les initiatives prises par M. le ministre, des initiatives à prendre en compte dans le cadre donc, de cette nouvelle gestion. Et comme je l'ai dit, M. le ministre, nous sommes ensemble. De temps en temps, c'est possible. Plus ou moins les garder pour que chaque fois on puisse se retrouver ici de la gestion. Et merci là, devant Madame la Directrice Générale du gouvernement, que le ministère de la promotion de la riziculture est votre création. Vous y avez cru et vous êtes en train de faire du bon travail. Moi, je suis venu rester à côté de vous pour qu'on continue ensemble ce que vous avez fait. Thank you.
le ministre d'État de l'agriculture et du développement rural, monsieur le ministre de la promotion de mesdames et messieurs, directeurs de cabinet, directeurs généraux, centraux, responsables de structure des partenaires, merci de votre. Puisque la grande passation officielle a pris. Donc, monsieur le ministre d'État vous l'a dit, il était en train d'être suivi par ce mandat. Donc, nous demandons votre. Quand vous nous présentez vos excuses, et nous pensons qu'elles ont été acceptées. Voilà. Et nous devons, à votre. Monsieur le ministre. L'organisation de cette cérémonie qui nous passons, toute passation de charge n'est pas une période de tension. Merci, monsieur le ministre, pour cette leçon que vous nous faites. Je pense que nous, les plus jeunes, nous allons nous inspirer de vous qu'il en soit ainsi. Merci pour vraiment ce bel exemple que vous venez de montrer. Et d'après que la Côte d'Ivoire, tout le monde va pouvoir servir son pays au moment où il est arrivé. Merci pour cette leçon. Alors, ces mots que je voudrais sur ces mots que je voudrais, avec la permission de monsieur le ministre d'État, en mettant ainsi fin à cette cérémonie de passation. Et pour la photo de famille, mais avant la photo, il y a le présent. Et les collaborateurs du ministre qui ont soutenu voudraient vous laisser la place. Merci beaucoup. Nous avons une séance de travail avec le ministre. Et après, on va visiter. Il va me présenter les uns les autres donc pour ne pas partir. Il a une station. Donc nous assistons. Nous assistons actuellement à un cadeau du ministère de la promotion de la.
de rester au bureau, parce que le